Il s'agit d'une exposition sur les grands formats de Zawuki. Notre projet était de montrer la plus grande partie des œuvres de très grand format qu'il a réalisées entre le milieu des années 50 et 2006. Zawuki se sentait bien dans ces dimensions. Il s'explique là-dessus en disant que pour lui, c'est cette dimension qui est la dimension dans laquelle il peut vivre, il peut travailler, au point parfois de délaisser le petit format. Il considérait souvent la peinture comme un combat, comme une sorte de nécessité vitale qui le faisait aller dans son atelier et se battre avec cette toile blanche qu'il faut couvrir. Pour lui, il y a une coexistence et une coïncidence parfaite entre la poésie, l'écriture, éventuellement la musique, et il n'y a pas de séparation. Son langage naît d'un contexte géographique, culturel, particulier, qui est celui de la Chine, donc qui est un univers de signes, qui est un univers de la calligraphie. Les étrangers à sa culture, ceux avec qui il vit, lui montrent autre chose et lui montrent, par exemple, comme Marc Tobet, comme Sam Francis ou comme Soulages, une autre façon de considérer l'art d'Asie, la calligraphie, l'encre, vue du point de vue d'un occidental. Nous voulions aussi montrer ce qu'est la progression d'un travail à partir d'une quête de plus en plus intense du dépassement de la représentation. Je crois qu'en fait, chez Zawuki, on voit très bien, parce qu'il est passé par la calligraphie, parce qu'il vient d'un monde où le signe est particulièrement signifiant et qu'on ne peut pas donc voir un signe inscrit sur une surface sans le lire. Et lui, ce qu'il voulait, c'était arriver à faire qu'on ne le lise pas, qu'on voit le tout comme une toile.